Amis bassistes débutants, bonjour et bienvenue dans ce tuto sur un grand classique, Nirvana Come As You Are. Alors c'est un morceau qui est composé de trois parties, le couplet, le refrain, le pont, comme beaucoup de morceaux. La particularité, je dirais que ça se joue tout seul. Il n'y a pas beaucoup de variations, par exemple, dans la partie du couplet, hein, la tourne classique, elle est tout le temps jouée de la même façon. Pareil pour les autres parties. Donc encore une fois, c'est un morceau que j'ai relevé uniquement à l'oreille. Il est possible parfois, c'est pas évident de savoir par exemple au niveau du refrain s'il joue exactement dans la cadence que moi je vais vous montrer. Je pense que c'est pas très grave, de toute façon tel que je vais vous le montrer, ça sonne aussi, enfin je pense, hein, vous pourrez me le dire. Donc voilà. Alors, on va commencer par quelque chose que j'aurais pu mettre sous forme de riff, qui est le couplet. Et donc le couplet c'est ça. Je vous le jouerai, vous allez reconnaître tout de suite, ça fait. Ok, alors voilà. Donc il faut essayer de bien le faire sonner et de mettre le moins de bruit parasite possible. C'est pour ça que là, il faut vraiment bien coller ses cordes. Alors, pour un débutant, ça va pas être évident à le faire sonner correctement et bien le faire rouler, hein. Parce qu'en fait, toutes les notes sont liées et il faut vraiment le faire rouler, en fait. C'est ça qui est pas évident. Et au début, d'ailleurs, moi, je me rappelle, hein, quand j'ai commencé à vouloir le faire à mes débuts, ben ça sonnait pas bien parce que déjà faut tenir le rythme, hein, parce qu'au début il doit tourner à peu près 10 fois d'affilée. Et si vous voulez suivre le morceau, le faire 10 fois rien qu'à la batterie sans se tromper et sans avoir les doigts fatigués, c'est pas évident parce qu'en fait il y a un écart ici et on joue pratiquement avec ces trois doigts d'écart, donc un doigt par case. Ce qui fait que c'est pas trop évident. Alors moi du coup j'ai rajouté le petit doigt pour faciliter un petit peu l'écart et donner un truc plus fluide. Okay? Mais je vous montrerai si vous voulez le faire avec l'annulaire. Vous pouvez aussi très bien le faire avec l'annulaire, mais ça va vous demander un écart un peu plus important. Alors comment on joue ça? Alors on part avec le petit doigt sur le La qui est ici, donc septième case de la troisième frette. D'accord? On voit que je bloque la corde en dessous avec le petit doigt. Et avec la main droite, je bloque les deux cordes au-dessus, le pouce sur la corde de mi, et ça fait. Donc on part sur le mi, et ensuite avec l'index, on va chercher le ré, ça fait. D'accord? Et ensuite, on déroule les trois notes suivantes, ça fait. Les trois notes suivantes qui sont le ré dièse et le mi. Et ensuite, avec l'index, on va chercher la note juste en dessous du ré, qui est le sol, et ça fait. D'accord? Je vous le refais doucement. Encore. Voyez, toutes les notes sont liées. Et ici, on va faire un jeu d'aller-retour entre l'index et l'annulaire, ici, sur le mi. Ça fait. Alors, je veux vous remontrer à partir ici du sol, ça fait l'index et le sol. Une fois qu'on a fait ce jeu d'aller-retour, on revient en arrière, c'est-à-dire on part du mi, ré dièse et ré, et ça fait. Donc vous avez vu, on fait sonner au retour deux fois le mi ici. D'accord? Je vous le refais doucement, ça fait. Ok? Alors, je vais enlever mon accordeur. Ah oui, chose très importante, je ne vous le dis pas à chaque fois. À chaque fois que vous commencez à jouer, il faut accorder votre basse. C'est important, surtout et avant tout pour votre oreille. D'accord? Parce que peut-être que quand on est débutant, on ne se rend pas trop compte, ça peut être un petit peu faux, on ne l'entend pas. Mais à la longue, je vous garantis qu'accorder, avoir toujours un instrument accordé, toujours dès le début, des fois c'est un peu chiant à faire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire pour votre oreille, c'est très important.
Ok, on reprend. Donc, on part d'ici, mon petit doigt ou annulaire, et ça fait. Le jeu d'aller-retour qu'on a ici, on l'a aussi là. Ça fait. Ok, je recommence, ça fait. Encore une fois. Alors, je vous le fais une dernière fois plus doucement, et après on va passer sur le rythme drum beat. Ça fait. Ok. Ici, quand je reviens là, vers l'avant-dernière note, je suis revenu avec mon annulaire. Alors ça, c'est pour ceux qui arrivent à faire ces écarts-là. Et si vous voulez plus de confort, comme moi je l'ai fait dans le cover, vous pouvez aller le chercher avec le petit doigt. Et ça va donner. Donc je peux commencer même avec le petit doigt, ça fait. Et au moment où j'ai posé mon petit doigt, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, alors je vous laisse revenir en arrière dans la vidéo si vous voulez choper ce petit riff là de démarrage. Et alors maintenant le problème c'est qu'il faut choper le bon démarrage au bon moment. Alors dans une mesure à 4 temps, hein, je vous rappelle, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, et ça, je vous propose de regarder, si vous ne savez pas ce que c'est, ma vidéo sur le 4 temps que je vous mettrai en lien, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et là vous allez partir en fait sur le E du 3. D'accord? Donc la première note qu'on va faire sonner, celle-là, le La avec le petit doigt ou l'annulaire, c'est sur le E du 3. Ça fait 1 et 2 et 3 et. Et là, je pars. D'accord? 1 et 2 et 3. Ok, alors je vais vous montrer au niveau drum beat, je vais le faire partir un petit peu plus doucement peut-être. Alors le morceau, il a 121. Sauf erreur, je vais le mettre à 80. Ça fait 1 et 2 et 3. Okay, vous avez vu bien le départ. Alors, quand vous voyez que vous arrivez à bien le faire rouler, ça va mettre un certain temps normalement. À ce moment-là, on peut commencer à regarder la partie du refrain qui, pour le coup, est plus facile parce que la partie du refrain va faire. D'accord, je vous les fais tourner comme ça, ce qui va donner sur drum beat. Alors ce que je vous ai compté, hein, ce ne sont pas les temps bien évidemment, c'est juste la cadence en fait. À chaque fois qu'on change de petit rythme, ça fait 1, 2, je reprends 1, 2, 3, et ensuite je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est juste pour vous mettre une espèce de cadence dans la tête. Alors je vous rappelle, même le démarrage, hein, vous pouvez au début faire du comptage, mais essayez d'enlever le plus rapidement possible le comptage de votre tête, parce que le comptage en jouant, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça vous enlève le plaisir de jouer. En fait, vous ne vous retrouvez pas quand vous jouez le morceau dans le morceau en train de vous faire plaisir, mais vous vous retrouvez dans des problèmes de comptage dans votre tête. Et puis ça vous enlève le plaisir. Et c'est dommage de jouer en vous enlevant ce plaisir-là. Parce que, surtout si vous jouez devant des gens,
C'est super agréable de leur donner du plaisir en faisant de la bonne musique, c'est sûr, mais si vous aussi vous prenez votre pied, c'est encore plus génial et c'est surtout ça qui est génial. Et pour le coup, ça veut dire que vous allez marcher à la sensation. Vous entendez juste la batterie et vous savez où vous partez et vous roulez avec. C'est à ça qu'il faut arriver au fur et à mesure de votre progression, c'est d'essayer d'enlever au maximum le comptage. Le comptage ne vous servira que pour vous accorder avec les autres instruments, dans le cas où il y a un moment qui est un petit peu chaud et que vous devez tous repartir au même moment après un blanc. Là, par exemple, là, vous pouvez compter, vous savez que vous êtes tous sur la même base de comptage, et donc, pour le coup, vous partirez tous ensemble. Mais pour vous, quand vous faites de l'accompagnement, le comptage, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vous enlever vite de la tête. Des fois, c'est difficile, voilà, comme là, par exemple, on part sur le et du 3, alors voilà, peut-être qu'un débutant, ça va l'aider. Moi, ça m'embrouille plus que ça m'aide. Hein. Quand je fais ça en comptant, je vais me tromper parce que pour le coup, c'est quelque chose qui va me déranger. Moi, c'est vraiment aujourd'hui une sensation. J'entends la batterie, ta, ta, et je sais où je pars parce que je sais où est mon 1. Je sais quand va arriver mon 1. Donc, je connais les distances à force de jouer et faire du 4 temps, par exemple, qui est la mesure la plus commune. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous dire et qui est important. Ok? Donc là, on a vu la partie couplet, on a vu le refrain. Donc pour la cadence, je vous rappelle, ça fait 1, 2, 3. Alors, je ne vous ai pas dit les notes, je suis allé un petit peu vite, pardon. Pour les notes, c'est corde à vide, mi, ça fait 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, avec l'index, vous chopez ici le sol, qui est la troisième case de la corde de mi, et vous jouez de façon régulière sur les temps, comme ça fait. D'accord? Les 8 fois que vous jouez, ce sont sur les croches, sur le 1 et 2 et 3. D'accord? 2 et 3 et 4 et 1, tin, 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 1 et 2 et 3. Toute la partie qui fait tin, 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 cette partie-là, ça prend une mesure. D'accord? Et la partie qui fait. Ça prend aussi une mesure. Donc, on a deux mesures qui se répètent comme ça. Ok? Donc là, on a maintenant deux parties que vous pouvez réviser simplement en les faisant tourner. Et après, on va faire la troisième partie. Ensuite, on va voir l'assemblage où il y a des petites particularités. Alors, maintenant, on va voir la partie du pont. En fait, le pont fait comme ça. Ok, alors là j'ai fait deux tournes. Donc on va jouer avec le sol, donc cette note-là, pardon, le la, pardon, cinquième frette, première corde, le si, septième frette, première corde toujours. On joue que la première corde. Ensuite la huitième frette pour le do et la corde à vide qui est le mi. D'accord? Et on les joue comme ça. On joue d'abord 7 fois le la. 4, 5, 6, 7. Après, on joue une fois le sol et on va chercher le do tout de suite derrière. Ça fait. Ok? Donc 7 fois, une fois, et on repart d'ici. Et on va le jouer 6 fois, si je ne me trompe pas, le do. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. 6, 7, on revient sur le si. 8, on joue la corde à vide et on retombe sur le 1 du la. D'accord? Ça fait. Et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok? Je vais vous le mettre sur drum beat à 80. Voilà, si vous travaillez...
travailler ces trois choses séparément, vous avez tout le morceau. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire l'assemblage. Comment on passe, par exemple, du couplet au refrain? Alors, on est sûr. Ok, alors je vais vous le refaire. On repart sur le couplet, ça fait. Et à partir de là, on va jouer deux notes supplémentaires pour faire le lien avec le refrain. Donc quand on est là et qu'on a fini cette boucle, on fait une fois le La. Et on rejoue ici le Ré. Là, on attend un petit peu et ça fait. Et on repart sur le refrain. Alors je vais vous le faire sur drum beat pour que vous compreniez. Et ça, il va falloir que vous le repassiez jusqu'à ce que vous chopiez les notes dans votre tête. Ça fait. J'ai descendu à 70. Ok, vous avez vu le petit décalage pour se retrouver dans le temps? Alors c'est pas évident, hein, honnêtement, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut bien écouter le morceau pour entendre ces deux notes qui permettent de lier au pont juste derrière. C'est-à-dire que les trois séparément sont pas hyper compliqués. Après, c'est pour faire l'assemblage que ça va se compliquer pour le faire propre et être toujours dans le temps. Donc je vous remontre ça. Ok, voilà. Alors je sais que c'est pas évident, ben, y a un travail à faire, hein. Je peux pas, de toute façon je pourrais pas le faire à votre place. Et il y a un travail d'écoute à faire, il y a un travail après sur la basse. Et quand vous chopez le train, à un moment hein, vous n'allez pas y arriver au début, vous allez vous dire ah mince, ah, putain je comprends pas, nanana, vous allez tourner le truc, vous allez le mentaliser. Et à un moment vous allez choper le train et ça va passer une première fois tout juste et puis tac vous allez choper, ça y est c'est bon. C'est comme ça que ça marche en général. Ok? Alors maintenant, il y a le passage inverse, c'est qu'on part du refrain pour repartir sur le couplet. Alors le refrain, il va faire. Ok, alors, comment ça marche? Le refrain, il va tourner 4 fois. Et la dernière fois, au moment où on doit faire les 8 notes qui sont sur le sol, donc... 4, 5, 6, 7, 8, ben on n'en fait pas 8, on en fait 5, d'accord? Et ensuite, on va enchaîner par le La à vide, donc la deuxième corde à vide, et ces trois notes-là qu'on fait dans le riff principal, c'est-à-dire le Ré, Ré dièse et Mi, et ensuite on enchaîne, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ah pardon, ok, je vais vous refaire l'enchaînement. Ça fait. Ensuite, vous repartez sur cette boucle-là. Alors maintenant, je vais vous le faire sur drum beat. Ça fait. Ok, alors je vous montre une petite subtilité. Pourquoi on part sur le La à vide en fait? Déjà moi c'est ce La-là que j'entends. Parce que quand on fait le riff, on est avec un La qui est comme ça plus aigu, qui fait. Pardon. Ok, mais ce La qui est, bah, qui est là, on peut aussi le jouer corde à vide. Alors ça sera pas le même La parce que ce La-là est plus grave. Il n'empêche que quand on part de... des notes graves comme ça,
Et ben l'enchaînement, moi c'est comme ça que je l'entends dans le morceau, il va bien. De toute façon, c'est la même note, hein, c'est une note, c'est son octave en grave. Et l'enchaînement se fait avec la bonne, comment dire, le bon grave en fait. Ça fait ça. Ok? Si je l'avais fait avec ce, si j'avais redémarré avec ce là ici, ça aurait fait. Moi, je trouve que c'est trop aigu et c'est pas ce que j'entends dans le morceau. Ok? Donc il y a une petite subtilité. Donc maintenant, vous avez vu comment on va du couplet au refrain, du refrain au couplet. Il manque un dernier point, c'est qu'à un moment, il y a un passage du refrain vers le pont. D'accord? Et ça va faire comme ça. Alors ce passage-là, il est assez simple, parce qu'en fait, c'est juste un enchaînement, mais il n'y a pas de rupture. Ok, donc le couplet, le refrain, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, et on enchaîne direct ici pour refaire la partie du pont. Donc je vais vous enchaîner les deux. Voilà. Alors vous noterez les petites subtilités de blocage de cordes, par exemple quand je fais ma corde à vide, quand je fais dans le pont. Voilà, quand je fais sonner d'ici le si vers la corde à vide, je pose mes doigts sur les trois cordes en dessous, comme ça le son est bien propre. Ok? Et dernière petite jointure, c'est entre le pont et le redémarrage du couplet. Donc ça fait. Ok, donc j'ai fait deux fois la partie du pont et j'ai redémarré sur donc le couplet. À savoir que c'est un peu la même chose que quand on part du refrain. C'est-à-dire qu'ici, on va jouer 5 fois la note et on va redémarrer avec un La à vide. Et en plus, ce La à vide va nous permettre de respirer pour le positionnement des doigts. Parce que si on devait aller chercher le La aigu, eh bien, on devrait quand même faire une petite contorsion avec les doigts qui fait qu'on pourrait rater la note. Donc du coup, ça fait quand même respirer, hein. Les notes à vide, c'est quand même des notes qui sont assez intéressantes aussi pour ça. C'est que parfois, on va chercher une note ailleurs. Eh bien, elle nous donne une petite respiration parce qu'on va décoller la main complètement du manche, ou du moins on va juste la poser, ce qui va nous permettre de faire par exemple un démanché. Donc les notes à vide sont vachement utiles pour ce genre de choses par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les notes à vide parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur la note. La note sonne et on n'a pas de contrôle, on ne peut pas appuyer, on ne peut pas, etc. Mais croyez-moi, elles ont leur utilité et c'est très intéressant de les jouer. D'ailleurs, je les avais jouées dans un morceau il n'y a pas très longtemps, là, je ne sais plus quel morceau, où il y avait pas mal de notes à vide. Qui est assez perturbant à jouer quand on n'a pas trop l'habitude. Mais prenez l'habitude de les utiliser, c'est vraiment des notes, elles font partie de l'instrument, c'est des notes qu'il faut vraiment utiliser. Ok? Donc je reprends ce point. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça, on part, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Je refais. 2, 3, 4. Pardon, je me suis planté. Je refais, à force de faire, c'est sûr. Hein. Je refais, ça fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on repart ensuite sur la partie couplet. Voilà, je vous ai tout dit sur le morceau. Maintenant, il n'y a plus qu'à rassembler, travailler. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments un petit peu. Compliqué à passer, on n'arrive pas, on part pas dans le bon temps. Et tout ce travail où vous pensez que c'est une grosse galère,
ça va énormément vous faire progresser. C'est là que vous allez progresser parce que vous allez être dans vos retranchements. Je vous dis ça parce que je suis aussi passé bien évidemment par là et je passe encore par là pour plein d'autres morceaux. Et je sais que voilà, c'est chiant et tout, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'une fois en plus que vous avez passé le truc, vous allez être tellement satisfait, vous allez tellement prendre plaisir à le jouer, surtout un morceau aussi connu et sympa que ça, qui est accessible, hein, que franchement vous allez prendre votre pied et ça serait dommage de lâcher. Alors je vous propose quand même de regarder la cover que j'ai faite au début où là il y a tout. Sur YouTube vous pouvez aussi la ralentir. Une chose intéressante, c'est que alors la cover était aussi longue, plus longue que d'habitude, parce que pour le coup, je voulais aller jusqu'au pont pour que vous voyez comment le pont se joue. Et ensuite, j'ai enchaîné bien sûr sur la partie du couplet. Pareil pour que vous voyez tous ces enchaînements. D'accord ? Donc tout le travail est fait au début, si vous voulez regarder. Là, je vous ai décrypté plus le morceau. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout donné. Maintenant, c'est à vous de bosser dessus et on se rejoint dans pas trop longtemps pour un nouveau riff. En attendant, bonne basse.